reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bord. Aujourd'hui c'est le 12 juin et je viens de me rendre compte que aujourd'hui même était censé être le jour du 58e anniversaire de Tibi Yeshua, ce pasteur riche et célèbre qui est décédé le samedi dernier. Aïe aïe aïe! Voici ma réaction. Prenez votre natte et asseyez-vous. On va causer. Hein? Est-ce que vous vous en rendez compte? Nous sommes en 2021 et cette histoire se passe en 2021. Alors je vous parle. Tibi Yeshua, l'un des pasteurs les plus riches et célèbres du Nigeria, il est parti. Aujourd'hui même, où il devait fêter sa fête d'anniversaire, on le cherche partout, mais il n'est pas là. Mes frères et sœurs, voici où se trouvent les limites de l'homme. Voici où se trouvent les limites de l'être humain. Quand vous vous levez le matin, vous êtes en train de dire, « Oh, je suis joli, je vais aller manger de la bonne nourriture. » Ou je vais aller travailler, je vais aller saluer mes amis préférés. Mais mes frères et sœurs, la première personne que vous devez saluer là d'abord, c'est Dieu. Parce que c'est à cause de lui que vous vivez. La vie égale Dieu. La vie est égale à Dieu. C'est pas de la blague. Hey! Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, si cet homme-là vraiment pouvait avoir l'opportunité, hein, de payer un peu de temps, ou bien acheter un peu de temps juste pour pouvoir fêter sa fête d'anniversaire, ce 58e anniversaire aujourd'hui, là où je vous parle, vraiment il allait le faire parce qu'il avait l'argent. C'est pas les moyens qu'il n'avait pas, mais aujourd'hui nous comprenons que l'argent seul ne suffit pas. Lui-même il va le dire encore dans la vidéo qui va venir après cette vidéo, vous allez l'entendre lui-même. Il parlait à ses enfants et disait à tous ses fidèles, écoutez, l'argent ne fait pas tout. Parce que si l'argent faisait tout, vous ne serez pas ici en train de chercher les solutions à vos problèmes. Eh bien, je suis même choqué. Hey! Est-ce que vous en rendez compte? L'homme n'a pas de pouvoir. L'homme qui se tape la poitrine matin, midi et soir, il n'a rien. C'est Dieu seul qui fait sa force. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si tu es intelligent, faut t'accrocher à Dieu en même temps. Fais de Dieu ton meilleur camarade. Fais de Dieu ton meilleur ami. Parce que c'est lui ce qui décide tout. Ouais, c'est lui qui décide tout, décidément. Il décide qui vit. Il décide qui doit mourir. Même s'il y a des gens, par leur mauvais comportement, qui vont se jeter directement dans la mort. Mais vous devez savoir que c'est Dieu qui a la main sur tout. Ah! Fête d'anniversaire! Est-ce que Dieu s'intéresse au fait d'anniversaire vraiment? Écoutez, prenons au pire des cas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Prenons au pire des cas. Si Tibi Yeshua était un homme de Dieu, vrai, par exemple, vrai, non, il dit bien au pire des cas. Si Tibi Yeshua était un homme de Dieu, vrai, qu'est-ce qu'on aurait dit maintenant? On aurait dit que, ah! Il a prévu faire sa fête d'anniversaire le 12 juin, là, le 12, c'est-à-dire aujourd'hui. Là. Comment Dieu l'a-t-il pas bien calculé avant de le prendre pour partir avant le, et puis, avant son, c'est-à-dire, pourquoi Dieu n'a-t-il pas laissé le monsieur faire la fête d'anniversaire avant de le prendre? Pourquoi ne l'a-t-il pas laissé faire sa fête d'anniversaire avant de le prendre? Ah, pourquoi? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait ça? Certaines personnes même étaient là-bas en train de faire des calculs en même temps. Tibi Yeshua, c'est comment?
le 12 jours, tu fais la fête d'anniversaire. Ah, il y a venu manger de la bonne nourriture, du bon poisson, du bon poulet. Mais Dieu nous a déchiancés. Dieu nous a déprogrammés. Donc Dieu s'en fout de nos programmes alors. Donc ils s'en foutent de nos programmes. Que vous ayez une fête d'anniversaire ou pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de chemin ce genre. Je m'en fous. Il a accompli son plein, c'est ça qu'elle a. Il y a des gens qui sont morts le même jour de leur mariage. C'est-à-dire même un jour avant, c'est-à-dire le jour avant de faire leur mariage, les gens sont morts. Il y a une femme, elle est décédée. Pendant que le mariage était de se faire, c'est-à-dire là où elle doit passer devant les gens, où on doit lui dire, où ils vont faire commencer à acheter cette chanson-là, du piano, là, taper le son qui fait tan 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 tan. C'est-à-dire, le mari est là-bas et il attend. Elle est quelque part là-bas en train de mourir. Elle n'est pas au courant. Dès qu'il a été informé, il mettait dans la confusion. Les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les parents ont juste maintenant remplacé cette fille-là par une autre. C'est-à-dire, par sa sœur. À sa sœur, avant que l'homme puisse épouser sa sœur. Le même jour de son mariage, elle est décédée. Il y a d'autres. Dès qu'ils ont fini de faire le mariage net, le monsieur est mort. Juste après le mariage, la femme, elle est devenue veuve. Juste là, comme ça, même pas un jour. Est-ce que vous en rendez compte? Je vous dis que l'homme n'est rien sans Dieu. La vie égale à Dieu. Si tu ne t'accroches pas à Dieu, c'est que tu aimes la mort. Parce que Dieu, c'est la vie. Parce que Dieu, c'est la vie. Je suis là jusqu'à... Je regarde la situation. Et je me dis... Ah! Aujourd'hui était censé être le jour d'anniversaire de ce type-là. Mine de rien. Là, Dieu est en train de donner le message à nous tous ici pour nous dire vraiment, repentons-nous, faisons une fois pour fuir le péché, parce que nul ne sait le jour de son jour. Ouais. Nul ne sait le jour de son jour. On nous dit que le Seigneur Jésus-Christ va venir comme un voleur. Personne ne va s'y attendre. Les gens sont en train de raconter. Ah, Jésus-Christ, c'est comment? Tu as dit que tu allais revenir, mais tu ne veux pas depuis là. Ou bien tu as oublié. Mais regarde ce qui est en train de se passer. La mort n'a pas oublié. La mort n'a pas oublié. La mort n'oublie personne. C'est vrai, Jésus-Christ n'est pas encore venu. Mais la mort est là. Il faut ranger sa vie. Et il faut avoir la crainte de Dieu. Cette histoire-là donne la crainte de Dieu. Cette affaire-là, ça donne la crainte de Dieu. Tu t'endors la nuit, prie, dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Le matin, il est sorti là. Tu dis Seigneur Jésus-Christ. Tu dis oh mon Dieu. Je te confie cette journée-là. Je n'ai rien à dire. Je te confie juste cette journée-là. Bara, fais ton travail, fais ton travail. Et tu vas travailler. Ce que je te donne, c'est ce qu'il a prévu de donner. Si tu travailles plus, tu auras plus. Si tu travailles moins, ça sera moins. C'est ça la règle. Et tu te bats pour ça. Tu te bats pour. À la fin de la journée, tu reviens encore à la maison la nuit. Tu dis, hey Dieu, tu as fait de bonnes choses. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné l'appétit. Grâce à toi, j'ai pu faire beaucoup de choses. Vraiment, merci. Anitié. Ouais, merci. Et tu t'endors. Pour te préparer pour demain. Tu ne sais même pas de quoi sera fait demain. Les jours ne se ressemblent pas. Les jours ne se ressemblent pas. J'ai fait au moins 31 jours ici sur la terre. Ça, au moins, vous pouvez croire à 100%. Par exemple, je suis là devant vous. Je ne suis pas sorti de mon ventre grand comme ça. Grand comme ça. Non. Ah. J'ai fait au moins 31 jours ici sur la terre. Et j'ai vu les jours. J'ai vu les jours passer devant moi. Et je me suis rendu compte que, décidément, les jours ne se ressemblent pas. Les jours ne se ressemblent pas d'un. Chaque jour a sa couleur, chaque jour a son parfum, chaque jour a ses nouvelles.
Mes frères, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu de toutes les manières possibles. Dans la prière, dans le comportement, à 100%, nous devons être accrochés à Dieu. Vraiment, c'est décourageant quand on voit certaines choses. Mais nous devons être forts. Ouais, nous devons être forts. Nous devons prendre courage. Nous devons vraiment être très forts parce que c'est pas facile de perdre quelqu'un. Que cette personne soit une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est pas facile de perdre quelqu'un. Et cet homme est parti comme ça. Et cet homme est parti comme ça, laissant derrière lui toute sa famille. Maintenant, que se passera-t-il en ce jour de son anniversaire? Qu'est-ce que les gens vont faire pour marquer ce jour, puisqu'il n'est plus là? Est-ce que nous essayons de découvrir dans la prochaine vidéo? Abonnez-vous, laissez des liens pour nous informer que vous nous suivez. Et c'est parti. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.